Après quelques jours, ce sont les résultats du baccalauréat général qui accaparent les conversations dans cette école. Avec 94% de taux de réussite, personnel administratif, enseignants et candidats du complexe scolaire du lycée Saint-Alfonso se disent satisfaits des résultats. Pourtant, les responsables du complexe ne tarissent d'imagination. Ils tracent déjà les contours des stratégies en vue de relever le niveau des deux candidats recalés. L'examen a ses secrets aussi. Un enfant peut être brillant toute l'année, mais à l'examen, il peut être confronté à beaucoup de difficultés. Il y a le stress qui se passe très souvent à l'examen. Mais je crois que pour l'année prochaine, nous allons nous efforcer à renforcer un peu l'encadrement, à renforcer les évaluations, pour que nous essayions un peu de tester le niveau réel de nos enfants et corriger le tir. Nous devrons donc doubler d'efforts pour que ces enfants essaient un peu de remonter la pente l'année prochaine. Après cette performance, les candidats se veulent reconnaissants à l'égard de leurs enseignants, mais aussi de leurs parents. J'ai vraiment apprécié mon parcours scolaire au lycée Saint-Alfonso parce que c'est une école qui m'a beaucoup apporté. Sur le plan intellectuel, j'ai eu beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances et je remercie beaucoup cette école pour m'avoir apporté tout ça. Je dois ma réussite à mes professeurs, à mes parents qui m'ont soutenu. J'ai fait un parcours scolaire sans faute. Je dédie ma réussite à mes parents et au proviseur qui m'a toujours soutenu depuis le début de l'entrée dans cette école. D'autres, par contre, s'orientent du côté de Libreville après l'obtention du concours de la BGFIBank. Je me sens plutôt bien. Je suis rassuré de ce qui va venir après. Et d'un côté, je me sens aussi fier de moi et fier de mes parents d'avoir permis à ce que je puisse participer à ce concours. Si je n'étais pas dans cette école, je n'aurais pas eu cette opportunité. Le proviseur, le directeur de l'école, M. Nzinga Emmanuel, a cette envie de pouvoir aider les étudiants ambitieux. Si j'ai reçu ce concours, c'est premièrement grâce à l'école. Fini le suspense. Après le verdict des jurys, tous les candidats vont devoir vaquer à leurs occupations. Ce, après 9 mois de scolarité, parfois stressants.